Je vais vous montrer un petit jeu plutôt connu pour aider l'enfant à faire ses premières additions. On peut commencer aux alentours de 3 ans et puis on peut aller plutôt loin après en augmentant les quantités travaillées. Donc vous allez prendre des petits objets et vous allez dire à l'enfant, j'ai un objet dans la main droite, deux objets dans la main gauche, grelot, combien ai-je d'objets dans les mains? Et lui, il a le droit d'utiliser ses doigts. Il va faire un doigt sur la main droite, deux doigts sur la main gauche. Et on va le voir faire ça. Voilà, on va leur faire ça aussi. D'accord? Je vous montrerai dans une autre vidéo une comptine pour lui apprendre à compléter sa main, puis à passer sur l'autre main et à lire directement le résultat. Donc, une fois qu'il a annoncé le résultat, ou pas, parce que peut-être qu'il n'est pas prêt, j'ouvre la main et il va venir dénombrer pour vérifier s'il ajuste. Donc là, dans le dénombrement, hein, tout comme avec les doigts, il faut qu'il associe la comptine avec le geste. S'il ne synchronise pas, il aura beau connaître la comptine, il ne pourra pas dénombrer de façon juste. Donc 1, 2, 3, 4, ça ne marche pas. À chaque fois que je me déplace, je dis le mot suivant dans la comptine. 1, 2, 3. Je peux également déplacer les objets et à chaque fois je dis le mot. 1, 2, 3. Et puis vous pouvez augmenter les quantités en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il maîtrise.